Okay, so welcome to this virtual educational training. Let me share my screen. So this training aims to introduce the participants to the in vitro approach in toxicological studies and to promote the alternatives of in vivo experiments. The partners involved in this training are the School of Life Sciences, University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland, the Lebanese University Faculty of Sciences, Biopredic, and Edelweiss. The first two sessions are about the characteristics of a very unique hepatic cell line, the HepaRG cell model, and the basics of 2D cell culture practices. So to start, the HepaRG cells in 1999 were isolated from a patient infected by hepatitis C virus and suffering from hepatocholangiocarcinoma. These cells were used to establish a cell line called HepaRG, which is free of hepatitis B and C viruses. This cell line is unique because of its characteristics, which make it very close to human hepatocytes. Indeed, these cells express the major metabolism enzymes, phase 1 and phase 2, the transcriptional factors, as well as the functional hepatic transporters. Thus, HepaRG cells are widely used for metabolism study, for hepatotoxicity screening, for infectious disease, but also they are used in innovative modes of culture, such as spheroids and organs on chips. After cell seeding, these cells will proliferate for 14 days, and then they will start the differentiation process, which also lasts 14 days. So at day 18, we can also easily distinguish two cell populations, the fully differentiated hepatocytes, the small ones that you can see here, the hexagonal shaped cells, and the primitive biliary cells, the flat cells that you can see here. So as you can notice, the HepaRG hepatocytes are very similar and have a similar morphology to human hepatocytes. You can also see the bile canaliculi structures here, the bright structures. So the HepaRG cell culture cycle is as follows: 14 days of proliferation, followed by 14 days of differentiation, and then cells gradually age and enter senescence phase. In this part, we will see together the fundamental techniques in cell culture. So upon receiving one vial of undifferentiated HepaRG cells, you have to sow and seed the cells to let them grow and to set up a cell bank. What does it mean, a cell bank? A cell bank is set up to store cells for the purpose of future use. And also, you can expand the cells, which means let the cells grow and proliferate. And then you can differentiate the cells in order to obtain fully differentiated hepatocytes ready to use for your experiments. Alors, là, les cellules HepaRG, quand vous les recevez sous forme cryopréservée, je vais expliquer plus tard c'est quoi la cryopréservation. Donc, quand vous les recevez, vous devez préparer une banque cellulaire, c'est-à-dire stocker des cellules à très basse température pour un usage ultérieur. Vous pouvez également laisser les cellules se proliférer et les laisser également se différencier pour obtenir des cellules complètement différenciées pour vos expériences. Now we will start the live sessions, from Biopredic Lab in Rennes, France. Ali, tu peux voir le labo, par exemple? Oui, je le vois. Très bien. Alors, the cells are cryopreserved in a cryovial in liquid nitrogen. Ce que vous voyez là, this is the liquid nitrogen tank. Donc, the cryopreservation is a process that preserves cells, tissues, and any other biological material by cooling the samples to very low temperatures. Alors, quand je dis préservation, c'est le fait de garder les cellules à très basse température. Just before removing the cryovial from liquid nitrogen, we should clean and set up the laminar flow hood and check that we have all required supplies.
So, alors on prépare tout avant la décongélation. And also before thawing the cell, we have to warm the cell culture medium in which the cells will grow in a 37 degrees water bath. Alors, là, you can see the water bath. Lucy already prepared a tube containing like 5 ml of growth medium. It is pre-warmed here. Alors, on préchauffe le milieu de culture. When ready, we remove the cryovial from liquid nitrogen. Alors, on est prêt, Lucy. Alors, ça, c'est le réservoir de l'azote liquide qui peut garder les cellules à très basse température. Voilà, this is the cryovial. Now, as we are ready, we can remove it. We have to roll the tube several times on a paper towel to get rid of the liquid nitrogen that is entrapped between the two caps of the tube. Alors, regardez bien, on roule le tube plusieurs fois sur ce papier, question de faire échapper en fait l'azote liquide qui peut être entrapé là entre les deux bouchons du tube. Il faut faire très vite et mettre le tube à 37 degrés. So then we place the cryovial in 37 degrees water bath without submerging the cap. Alors faites attention, il ne faut pas submerger le tube. Alors, pour ceux qui ne voient pas l'écran, ce qu'il faut chercher, c'est Lucie Auger. Alors, balayez un tout petit peu les différents comptes de Zoom là, que vous avez devant vous, les participants. Vous devez chercher Lucie Auger et faire un pin. D'accord? Pin vidéo, so you can see the lab photo. Alors, we shake the cryovial for 1 to 2 minutes to accelerate the cell thawing. This step should be as fast as possible to avoid a loss of viability. Because of the presence of cryoprotectant, in this case, it is the DMSO, it's very toxic to cells. So you should be, the rate of the step should be as fast as possible. Alors, vous devez faire cette étape très rapidement parce que pour cryopréserver les cellules, on met du DMSO. Le DMSO est très toxique quand la température est aux alentours de 8 à 10 degrés. Alors, pour ne pas passer par cette tranche de température, il faut tout de suite dissoudre à 37 degrés et très vite en accélérant la décongélation, en bougeant le tube un tout petit peu. When only... S'il vous plaît, mute yourself. Alors, coupez vos microphones, s'il vous plaît. So, when only a small piece of ice remains inside the cryovial, you can remove it from the water bath. Alors, quand il y a juste un petit cristal de glace, là, vous pouvez enlever le tube, vous pouvez arrêter de dissoudre. Donc, you should spray and wipe the cryovial with 70% ethanol and quickly transfer it under the cell culture hood. Alors, on nettoie le tube avec de l'alcool 70% et on va tout de suite sous la hotte. Alors, sure, we should work under aseptic conditions to prevent contamination of cell culture. Alors, on travaille sous la hotte pour prévenir la contamination des cellules. Alors, avec une pipette, et une pro-pipette automatique, on prélève 1 ml du milieu de culture qu'on va mettre au-dessus des cellules et on prélève le tout et on le remet dans le tube. So, we should transfer the cell suspension into the tube containing the growth culture medium. Then, we rinse the empty vial with 1 ml of culture medium and we transfer this volume again to the tube. Alors, comme vous pouvez le voir, on a fait un rinçage de tube une autre fois avec 1 ml de milieu pour être sûr qu'il n'y a plus de cellules dans ce tube-là. Et on a transféré ce ml dans le tube de nouveau. At this stage, cells should be counted to assess cell viability. So,
we have to prepare a cell dilution in the trypan blue. Trypan blue is used to count the cells and to distinguish the dead cells from viable cells. Alors là, on va compter les cellules. Donc, on prépare tout pour le comptage. Déjà, on a préparé une solution de bleu de trypan. Le bleu de trypan sert à différencier, à distinguer les cellules viables des cellules mortes. Voilà le bleu de trypan. So we transfer 100 microliters of trypan blue in a 5 ml tube. This is the hemocytometer or cell counting chamber. In this case, it's Najot chamber. Alors ça, c'est l'hémocytomètre. Vous l'avez déjà utilisé en TP de physiologie. Donc ça, c'est pour le comptage des cellules. Vous avez utilisé peut-être Naboard ou bien Malassé. Là, on utilise Najot parce que c'est plus adapté au comptage des cellules EPA-RG qui ont une taille aux alentours de 17 à 20 micromètres. Alors, we gently homogenize the cell suspension by manual swirling, as you noticed, and then we transfer 100 microliters of the cell suspension to the tube already containing 100 microliters of trypan blue. Alors, comme vous avez vu, avant de prélever, il faut tout le temps agiter le tube pour empêcher les cellules de précipiter. Alors, on prélève 100 microlitres et on les met dans 100 microlitres de bleu de trypan. So again, before loading the hemocytometer or the cell counting chamber, we have to homogenize the dilution also by manual swirling. So regardez, on homogénise de nouveau la solution. And then we fill the chamber with the diluted cell suspension. Alors là, on va faire le dépôt sur l'hémocytomètre. Donc, comme vous l'avez vu aussi au labo, c'est entre la lamelle et la lame et ça va entrer par capillarité. Il faut faire attention, il ne faut pas avoir des bulles d'air. So when loading your sample, make sure that you didn't have bubbles. Under a phase contrast microscope, we count viable and non-viable cells. So, using the trypan blue, as I said, we can distinguish between the viable and non-viable cells. Living cells exclude the dye, while dead cells take up the dye and appear blue. Alors, avec le trypan bleu, on va pouvoir différencier les cellules mortes des cellules vivantes. Alors, comme je l'ai dit, les cellules vivantes vont attraper la couleur, le colorant, mais ils vont s'en débarrasser plus tard. Alors que les cellules mortes vont attraper le colorant et vont rester bleues. Alors là, vous pouvez voir les cellules. So just be careful in this step. HepaRG cells can form clumps or clusters. Vous les voyez. You can see these clusters here. It is important to count all the cells forming a cluster. Alors attention à ces agrégats de cellules. On doit tout compter. Par exemple, oui. Au niveau de cet agrégat, regardez bien. Pour être précis, il faut compter toutes les cellules. Alors, je sais que vous ne voyez pas mon curseur. Lucie, est-ce que c'est possible de montrer avec ton doigt, par exemple, pour pouvoir compter les cellules? Oui. D'accord. Alors, on essaye. 1, 1, 2, 3, voilà. 4, 5 à côté, oui. 6, tout en bas, oui. 7, 8, et les deux en haut, 9, oui, 10 et 11. Alors là, on dirait qu'il y a 12 cellules. OK. Donc, 12 cellules. Moi, par exemple, là, sur l'écran, j'ai pu compter 11. J'ai estimé les cellules. Alors, vous voyez, il y a deux plans. Alors, pour pouvoir vraiment compter le nombre exact des cellules, il faut faire varier la mise au point au niveau du microscope. Quand vous variez la mise au point avec les vis micro et macrométriques, vous pouvez différencier les différentes cellules et vous pouvez compter plus précisément. D'accord? Peut-être aussi 13 ou bien 14. Donc là, quand la photo maintenant est plus nette,
Je peux différencier peut-être 13 ou 14 cellules. C'est vrai, Lucie, j'ai raison? Oui, Pamela. Ok, alors ces 14 cellules, là, vous avez compté? Oui, c'est ça, Pamela. Super, ok, thank you. So, now, let me share my screen again. Alors, on va laisser Lucie et Flusa compter. Et je vais partager mon écran de nouveau avec vous. Alors, this is the Najot counting chamber. Alors, it's formed, as you can see, we have many rectangles. We should count like 6 rectangles at least. If you can count more, it's better. And then you can use these formulas to determine the percentage of salviability. To determine this percentage, you have to divide the number of viable cells over the total number of cells, number of viable plus dot cells, and to multiply by 100. Alors, vous devez déterminer le pourcentage de viabilité cellulaire en divisant le nombre de cellules viables sur le nombre total de cellules. And then you can calculate the cell concentration in million cells per ml. So you multiply the number of viable cells per row times 2 per row. Then you calculate the average of number cells. So if you count 6 rows or 6 rectangles, you have to calculate first the average number of viable cells. And then you multiply with by the dilution factor, which is here 2, because you put in the tube 100 microliter of Tryphon blue and 100 microliter of the cell suspension. And then you have to multiply by a parameter related to the hemocytometer. In this case, it's 800. Alors, pour calculer la concentration en cellules par ml, vous devez d'abord, comme ce qu'on a fait dans les TP de physiologie, vous devez calculer la moyenne du nombre des cellules par rectangle ou bien par carré dans le cas de la cellule de Neuburg. Et après, vous devez multiplier par le facteur de dilution. Alors, comme je l'avais dit, le facteur de dilution dans ce cas-là est 2 parce que vous avez déjà dilué 2 fois en mélangeant 100 microlitres de bleu de tryphon avec 100 microlitres de la suspension cellulaire. Et après, vous devez également multiplier par 800. Pourquoi 800? Ça, c'est un facteur relié à la cellule de Najot. Alors, comme on avait fait les calculs au labo, vous prenez la surface d'un rectangle et puis vous calculez le volume et vous dites, si dans un volume X, on a ce nombre de cellules, combien doit-on avoir dans un millimètre cube? Et là, vous aurez le paramètre à multiplier avec quand vous voulez calculer la concentration cellulaire. At the end, you should calculate also the total viable cell number, and this one is obtained by multiplying the cell concentration that you obtained here by the total volume of cell suspension. In this case, the total volume is 5 ml. So when you have the number of viable cells in 1 ml of solution, you multiply by 5 to obtain the total number of cells. Lucie, est-ce que vous êtes prête? Alors là, Lucie et Flusa vont faire le comptage cellulaire et ont des tableaux pour faire le calcul automatiquement. Alors, elles vont faire rentrer le nombre de cellules dans chaque rectangle. Et donc, c'est le logiciel, c'est la feuille d'Excel qui va calculer la viabilité cellulaire. Donc là, vous avez obtenu une viabilité cellulaire de 102%. Est-ce que c'est possible? On ne peut pas avoir une viabilité de 102%, mais juste pour vous montrer... Ah oui, vous n'avez pas terminé le calcul. D'accord. Voilà. Ok. Alors, là, on n'a pas encore compté les 6 rectangles. On attend. Donc, regardez, le comptage des cellules vivantes, c'est là. Et là, vous avez le nombre de cellules totales dans la deuxième colonne. Alors, par exemple, dans le premier rectangle, the first rectangle, you have 164 viable cells. The total of cells is 165. Then you have one dead cell.
Alors, le nombre des cellules dans les différents rectangles doit être relativement proche. Sinon, c'est que vous avez une répartition non homogène. You should verify that the number of cells that you obtained in each rectangle is close to other numbers. So here you're sure that you have a homogeneous repartition of cells within the hemocytometer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde arrive à voir l'écran? Parce qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à voir l'écran. Faïza, est-ce que ça s'est résolu? Oui, madame. Ok, super. Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le window chat ou bien dans le chat box. Comme ça, je peux répondre quand on a un temps libre comme celui-là. Alors, pourquoi on fait un comptage cellulaire dans cette étape, au niveau de cette étape-là? C'est juste pour voir si les cellules qui étaient cryopréservées, alors les cellules qui étaient congelées, donc qui étaient stressées par la présence du DMSO, qui est un agent cryopréservant, donc qui est utilisé pour permettre de garder les cellules pour long terme à très basse température, sans que l'eau qui est à l'intérieur de la cellule congèle vraiment. Donc là, les cellules sont stressées. Alors, il faut vérifier si on a vraiment des cellules viables. Parce que sinon, si on fait l'ensemencement sans faire ce comptage cellulaire et sans voir si les cellules sont vivantes, on risque de voir 6 heures plus tard que les cellules n'ont pas pu s'adhérer. Ou bien le lendemain qu'on n'a pas des cellules adhérentes parce que toutes les cellules, ou bien presque toutes les cellules sont mortes. So we should assess the cell viability to make sure that the cells are still viable, because the DMSO, which is used as a cryoprotectant, is very toxic to cells. So we should verify that the cells are still viable. Otherwise, we can notice 6 hours after that the cells cannot adhere because we have only dead cells in our cryobile. Pamela, on va faire que 5 lignes pour ne pas retarder. Super. Super, très bien, Lucie. Alors, là, nous avons compté 5 lignes. Donc, comme déjà dit au labo, si vous comptez plus, mieux c'est. Si on n'a plus le temps pour le moment, donc là, on s'est contenté de 5 lignes. On a une viabilité de 98%. La cell viability is 98%, which is great. And the total number of cells is... 1,200, c'est ça? Alors, 1,274,000 cellules. 1 million de cellules, Lucie? Sont 1,2. Oui, super. 1,2 million de cellules. On s'attendait déjà à ce nombre-là parce qu'en fait, quand on a préparé, quand on a congelé les cellules, ce que vous allez voir la semaine prochaine avec nous, quand on a congelé les cellules, on a déjà mis 1 à 1,5 million par tube. Donc, c'est normal de trouver ce nombre. OK, it's normal that the number of cells is about 1,000, 1,000,2 cells. Because when we already froze the cells, we put in each tube like 1 to 1.5 million cells. Okay, so now after assessing the cell viability, now we should seed the cells. Yes, we are ready to seed the cells. On est prêt, Flusa, pour ensemencer?
Pamela, c'est bon pour le calcul, pour l'ensemencement, pour les étudiants? Oui, on va montrer le calcul la fois prochaine. Là, comme on ensemence le tout dans une flasque, donc, ouais. Alors, très bien. Pour le moment, on ne va pas faire un calcul pour l'ensemencement. Ça, vous allez le voir la semaine prochaine. So, you are going to see this calculation for cell seeding next week when we subculture the cells. Now, we will seed all the cells in this small flask or what we call a 25 centimeter square flask. So, we transfer the cells. All the volume, the total volume of cell suspension into this flask. Alors, dans ce tube Falcon, on a le milieu de culture avec les cellules décongelées qu'on a mis là. On va prendre tout ce volume-là et on va le mettre dans le flask. Quand on met ce volume dans le flask, on dit qu'on est en train d'ensemencer. Now, we are doing the cell seeding. On va prendre les 5 ml de milieu de culture et on va les mettre dans la flasque, c'est ça? Donc Pamela, en fait, on avait pris une flasque, une viale avec un petit peu plus de cellules. D'accord. Donc en fait, Cousa va faire le mélange pour être bien à 0,5 million de cellules. D'accord, ok. Ok, d'accord. Alors, dans ce flasque-là, on doit ensemencer seulement 0,5 million de cellules. Alors, on va mettre un volume qui permet d'obtenir 0,5 million de cellules. C'est bien, on profite alors pour expliquer ça. Comme on a là 1,2 million de cellules, alors si je mets tout ce volume-là, on va avoir beaucoup trop de cellules. Alors, pour mettre seulement 0,5 million, on va faire le calcul. Si 5 ml contiennent 1,2 million de cellules, alors pour avoir 0,5 million de cellules, combien il faut mettre? Alors, j'ai fait les calculs. En fait, il faut mettre 2 ml. Alors, we have to put 2 ml from the cell suspension. And as the total volume on this flask should be 5 ml, then we should add 3 ml of cell culture medium. Est-ce que c'est clair ça? Alors, comme on doit mettre seulement 0,5 million de cellules dans cette flasque parce que c'est une petite flasque, donc on dit, dans ces 5 ml, dans le total, la suspension cellulaire, il y a 5 ml comme volume. Il y a 1,2 million de cellules. Pour avoir 0,5 million de cellules, combien faut-il prendre? Donc, il faut prendre 2 ml. C'est pour cela qu'on a pris. On va prendre 2 ml de cette suspension cellulaire. Par contre, le volume total qui doit être contenu dans cette flasque, il doit être de 5 ml. Alors, on prend 3 ml de ce milieu de culture que vous voyez là à votre droite, cette bouteille qui contient le milieu de culture. On prend 3 ml de ça et on ajoute 2 ml de la suspension cellulaire. Comme ça, on aura un total de 5 ml dans lequel les cellules seront diluées de façon à avoir 0,5 million de cellules dans cette flasque. Alors, le reste de la suspension cellulaire, on va l'utiliser pour ensemencer d'autres flasques. Please look here. So gently, we rock the flask in a cross-like pattern manner. Ce que vous voyez, in a cross-like pattern. Ce que vous voyez maintenant, what you are seeing now, is the cross-like pattern. So in a back and forth and side to side manner. Flusa, est-ce qu'on peut répéter l'agitation pour montrer comment on fait pour le l'ensemencement? Alors regardez s'il vous plaît. Quand on met le volume de suspension cellulaire dedans, on va agiter le flask. Comment on agite le flask? On appelle ça cross-like pattern. Alors, en haut, trois fois, en bas, trois fois, en haut et en bas, trois fois, puis à gauche et à droite, trois fois. Puis on recommence ça. Alors, we do this to evenly distribute the cells. Alors, on fait ça pour une distribution homogène des cellules.
au niveau du flasque. And then we place the flask into the incubator at 37 degrees. Alors, comme ça, on a décongelé des cellules, on les a comptées et puis on les a ensemencées. Alors, on fait attention à ne pas trop bouger les cellules pour qu'elles ne s'accumulent pas d'un côté plus que l'autre. On va mettre dans l'incubateur. Alors, elle fait la même forme d'agitation. This is what we call cross-like pattern. Alors, back and forth and side to side. Alors, est-ouest, nord-sud, ou bien bas-haut, gauche et droite. Et puis, on met dans l'incubateur à 37 degrés avec 5% de CO2. Et là, il faut faire attention, il ne faut plus bouger les cellules dans les heures qui suivent pour qu'elles puissent bien s'adhérer. Voilà, c'est à 35 parce que ça fait un moment que c'était ouvert. Alors là, on met une petite notice que les cellules sont là. Voilà, si l'incubateur est bien fermé, donc on a une température de 37 degrés avec un pourcentage de CO2, 5%. Alors faites attention s'il vous plaît à ce point-là. Alors quand vous ouvrez un incubateur, vous ne le laissez pas ouvert tant que vous voulez, donc à votre guise. Vous devez faire très vite parce que la température chute très rapidement et aussi la teneur en CO2. Alors, when you open an incubator, you should work as fast as possible to let the temperature at 37 and the CO2 at 5%. Otherwise, these levels can vary quickly. Okay. Alors, 6 hours after cell seeding and thereafter every 2 to 3 days, the cell culture medium should be changed. Alors, 6 heures plus tard, après l'ensemencement, on doit changer le milieu culture. Alors, quand on change le milieu de culture, on va en fait prendre toutes les cellules qui ne se sont pas bien adhérées, alors que les cellules qui se sont déjà adhérées au plastique vont rester là. Alors, on change le milieu pour se débarrasser du DMSO qui est dans ce milieu et qui était contenu dans le milieu de congélation. Et comme ça, on ajoute un milieu frais qui contient tous les éléments nécessaires pour que les cellules puissent se multiplier. Alors, we change the medium to remove the DMSO already contained in the freezing medium. And then we add fresh medium to let the cells proliferate. We do this 6 hours later and then every 2 to 3 days. Now we are going to see how to change the medium. Sure, it will not be for this flask, but for another flask and multi-well plate that are already maintained in the incubator. Alors maintenant, on va vous montrer comment on fait le changement de milieu de culture. Alors après 6 heures, pour sûr, on ne va pas pouvoir être en live. Donc là, on va vous montrer comment on peut changer le milieu de culture pour ces cellules-là, pour d'autres cellules, pardon, qui sont déjà cultivées, soit dans des flasques ou bien dans des plaques. Alors, when I say multi-well plate, you have many kinds of multi-well plate. You have the 96 multi-well plate, the 24, the 48, the 6 well plates, the 12 well plates. Alors, il y a différents types de plaques. Il y a les plaques où vous pouvez voir 96 puits. C'est comme les plaques où vous faites des ELISA. 96 well plates are like the plates that you use for ELISA. Bien sûr, la qualité est différente. It's intended to cell culture, so the quality is different, the quality of plastic. Here we will change the medium for cells in a flask, in a small flask or 25 centimeter square flask, and then for a 24 multi-well plate and 96 multi-well plate. Alors on va changer le milieu de culture pour les cellules dans le flasque, mais aussi pour les cellules dans une plaque de 24 puits et aussi dans une plaque de 96 puits.
So we will start with the, as I can see, we will start with the 96 well plate. So to renew the medium, we should pre-warm the appropriate medium, in this case, the gross medium, at room temperature for 2 hours prior to medium change. Alors, quand vous voulez changer les cellules, on dit changer les cellules ou bien changer le milieu de culture des cellules, vous devez préchauffer le milieu de culture. Est-ce que vous voyez ces bouteilles-là qui contiennent le milieu rouge? Ce sont les bouteilles qui contiennent le milieu de culture. Alors, vous devez les faire. Ils sont gardés à 4 degrés. Elles sont gardées, pardon, à 4 degrés en général. They are stored, the culture medium is stored at 4 degrees in general. So when you want to change the medium of the cells, you should pre-warm your culture medium prior to medium renewal, like 2 hours prior to this medium renewal. Alors quand vous voulez changer le milieu de culture, vous devez préchauffer ce milieu de culture. Moi, je préfère que vous le faites à température ambiante. En fait, vous allez voir que plus tard, on a deux options. Soit on chauffe à 37 degrés dans le bain-marie, ou bien à température ambiante. Si vous utilisez ce milieu-là pour une longue durée, par exemple pour 2 semaines, si vous chauffez plusieurs fois, après il y a des constituants du sérum, parce que dedans il y a du sérum, qui vont s'abîmer. Alors il vaut mieux chauffer à température ambiante. Donc vous faites sortir votre milieu du réfrigérateur 2 heures avant le changement de milieu, et comme ça il va être à température ambiante. So you have 2 options. You can pre-warm your cell culture medium at 37 degrees, but also at room temperature. Personally, I prefer to warm the medium at room temperature to avoid any effect on the serum in this medium. Yes, on peut commencer. Est-ce qu'on commence par le flask? C'est plus facile. Alors. Oui, Pamela. Super. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on travaille toujours sous la hotte pour être dans des milieux, dans des conditions aseptiques. Alors, we change the medium under the hood to be to have aseptic conditions. Alors, under the hood, we open the flask, we aspirate the existing medium. Here we have an automatic aspirator. Everything is sterile. Okay. And then we aspirate the existing medium from the flask. Voilà, on a tout aspiré. Ça, c'est un aspirateur automatique, donc relié un aspirateur automatique, et puis tout de suite on doit transférer un milieu frais dans le flask. We transfer immediately the appropriate volume of medium into the flask. Alors, pourquoi on doit agir très rapidement? Parce qu'il ne faut pas laisser les cellules très longtemps sans milieu de culture. Alors, we should add the culture medium very quickly in order to avoid to keep the cells for a long time without culture medium. Alors, on ferme le flask, we close the flask, and we return it to the incubator. Alors, maintenant, on va changer les plaques. Now we are going to change the medium of a 24 multi-well plate. So here also, we will use the automatic aspirator to remove the existing medium. Alors voilà, là, dans ces puits-là, ça, c'est une plaque 24 puits. Dans ces puits-là, on a des cellules qui ont été déjà ensemencées. D'accord? La fois prochaine, on va voir comment ensemencer dans ces genres de plaques. C'est-à-dire comment mettre des cellules dedans et laisser les cellules s'adhérer. Alors, on aspire le tout. On aspire le tout si on est très rapide. Quand vous faites ça pour la première fois, comme vous êtes lent, vous ne devez pas aspirer le milieu de toute la plaque. Donc, vous aspirez le milieu seulement de 2 colonnes. Et vous ajoutez pour 2 colonnes. Après, vous continuez toute la boîte. Une fois que vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez le faire d'un seul coup. Toute la boîte d'un seul coup. Alors, tout ça pour ne pas laisser trop les cellules, très longtemps les cellules sans milieu de culture. So, if you are a beginner, you should aspirate only just 2 columns from the plate. And you fill the wells
that you, you where you you aspirate you aspirated the medium, and then you start with other two columns in order to avoid keeping the cells for a long time without cell culture medium. Alors là, comme vous voyez, on ajoute 0,5 ml par chaque, dans chaque puits. Alors dans les plaques de 24 puits, il faut mettre à chaque fois 0,5 ml de milieu de culture dans chaque puits pour les cellules. In a 24 multi-well plate, we should add 0,5 ml of cell culture medium in each well. On va également faire le changement de milieu pour une plaque de 96 puits. Alors pourquoi est-ce que c'est différent? Le seul truc qui est différent, c'est que là, les puits sont très petits. Il faut ajouter 100 microlitres de milieu par puits. Et donc, si on va avec la micropipette de 100 microlitres, ça va être très lent. Alors, on va utiliser une micropipette multicanon. Voilà. C'est comme la micropipette que vous utilisez au labo, mais celle-là est multicanon. Vous avez fait sans doute l'ELISA avec ça. Donc là, on peut mettre le volume, 100 microlitres. Il y a plusieurs têtes pour la micropipette. Donc, ça va prélever 100 microlitres pour chaque cône qui est mis. Et puis, on va pouvoir vider ces 100 microlitres, chaque 100 microlitres dans un puits différent. So, to change the medium of a 26 multi-well plate, we should use the multi-channel micropipette. C'est pas très facile de passer entre le français et l'anglais tout de suite. Alors, multi-channel micropipette. So, you can add like 10 ml of medium in a petri dish. Alors, pourquoi on ajoute le milieu dans la boîte de Petri? C'est juste pour pouvoir prélever avec la multicanon. When everything is ready, we can aspirate the medium. So please be careful, we prepare everything before aspirating the medium. Alors, on prépare tout avant d'aspirer le milieu. Toujours pour la même raison, il ne faut pas laisser les cellules très longtemps à sec, sans milieu. Alors, maintenant, on est prêt. On va aspirer le milieu, vous allez voir. Alors, juste une remarque. Quand vous allez mettre le milieu dans les puits, que ce soit dans le flasque ou bien dans les 24 ou bien là dans les 96, il ne faut pas vider le milieu sur les cellules. On dit sur la tête des cellules tout de suite. Il faut vider le milieu sur la paroi des puits. Alors, when adding the culture medium, we should add it gently on the wall of the wells and not directly on the cells to avoid cell detachment. Alors voilà, elle ajoute le milieu sur les parois des puits pour empêcher qu'il y ait un détachement des cellules. Alors, comme vous avez vu, elle a aspiré juste la moitié de la boîte et puis là, ou bien deux colonnes, et puis là, elle aspire le reste. Parce que pour les 96 puits, même si vous avez la main, c'est-à-dire même si vous avez l'habitude, vous ne pouvez pas faire très rapidement. Et donc, vous risquez de laisser les cellules très longtemps sans milieu de culture. Alors, vous aspirez chaque deux colonnes ou bien trois colonnes. Vous ajoutez le milieu de culture. Et puis, vous continuez. À chaque fois que vous utilisez la micropipette multicanon, vous devez vérifier que vous avez bien prélevé le milieu de culture dans tous les puits. Donc là, comme vous pouvez le voir, plus en prélevant, elle a vu qu'il y a un certain problème dans l'un de ses cônes, donc elle a changé tous les cônes. Ça, c'est une raison de plus pour comprendre pourquoi il ne faut pas aspirer toute la boîte d'un seul coup, même si on est rapide. On ne sait pas si on peut avoir quelques problèmes en changeant le milieu. Alors, si vous prélevez tout d'un seul coup et que vous devez changer tous les cônes et tout ça, ça peut prendre du temps. You should verify visually that
all the tips contain the appropriate volume of cell culture medium. Otherwise, you should change the tips of the multi-channel micropipet. Donc, je vous rappelle, dans ces plaques-là, il y a déjà des cellules qui sont adhérées au fond de la plaque, d'accord? Et donc là, il faut leur changer le milieu chaque 2 jours. Sauf le week-end, on change le vendredi et puis on revient le lundi pour changer. Alors, pour ces EPARG, le milieu est changé tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Merci, Flusa. Alors, là, on va tout de suite rendre les plaques et les flasques dans l'incubateur à 37 degrés. Attention, quand vous avez beaucoup de cellules à changer, il ne faut pas tout enlever d'un seul coup. When you have many multi-well plates and flasks to change the medium, you should bring like 3 or 4 plates each time, change the medium and return them to the incubator and then bring another 4 or 5 plates. Donc voilà, c'est tout du labo. Lucie, Flusa, merci beaucoup. Merci à vous, Pamela. D'accord, on se voit la semaine prochaine. Ok, alors, that's all for today. Thanks for attending this session. See you next Tuesday, I think, yes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à cette séance. Moi, je vois le mardi prochain, le 15. Mardi prochain, on va voir comment on peut trypsiner les cellules. Alors, une fois les cellules ont proliféré, comment on peut les trypsiner, c'est-à-dire les décoller, l'enlever de la flasque pour les mettre dans d'autres flasques ou bien pour les congeler pour des utilisations ultérieures. Alors, see you next week. Next week, we are going to see the cell trypsinization in order to do, we can subculture cells to let them proliferate or to set up a cell bank. So, see you next Tuesday. Ciao.